Ouais, merci Arion, bonjour à tous, c'est Zorak Bossé, on se retrouve pour une nouvelle session sur Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Dans la dernière session, nous avions affronté l'équipe d'Arabie Saoudite et Buddy Fury avait dévoilé ses pouvoirs en se sortant les doigts du Hux. C'est incroyable le timing d'arrivée OMG, mais t'as vu ça? Akoyo le GOAT, salut à toi. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud, on va maintenant réaliser le match de demi-finale contre je ne sais plus exactement quelle équipe, je crois que c'est l'équipe de Chine, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'était des lions ou des tigres qu'il y avait sur leur bannière. Je ne sais plus. C'est toi le Godra, merci. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chauds. En espérant que tout se passe bien. C'est parti, on y go. On y va. Chapitre 4. Alors, on devait aller à la zone de la cafétéria, tout simplement de la maison. Parce que je crois que c'était la dame qui nous avait dit que tout était prêt. Qu'il fallait manger. Manger, parce que manger est important pour la santé. Et oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment, Akoyo, n'hésite pas à me dire s'il n'y a pas de bug graphique, etc. sur le stream, le son, etc. Comme d'habitude, je le dis tout le temps, on préfère que ce soit réglé en début plutôt qu'en fin de stream, toujours. Bon alors, coucou. Oh merde, il y avait un coffre. Dépêchez-vous, le curry va être froid. Oh ouais, nice, le curry. Le curry, le curry, le curry. Eh bien, bon appétit. Merci. Le bon appétit, To. Ah, je suis plein. Le curry de Tata est délicieux. Je pourrais continuer à en manger. Genre, je pourrais continuer à en bouffer la masse. À devenir grosse. Bon, à plus tard. Ouais. Ouais. Oh non, pas eux. Oh non, putain, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié, c'était à partir de qui le chapitre? La bite! Zippy! Papa, maman? Oh non. Ce sont les parents de Zippy? Oh non, pas eux, pas eux, pas eux! Tout, mais pas ça! Il me semble que c'est l'Ouzbékistan, mais je suis pas sûr, car la Chine n'y est pas dans Galaxy. Ah, ok, my bad. Zippy! Mon père et moi ont été surpris quand on t'a pas vu à la maison et que tu es... Quand on est revenu de notre voyage de business, d'entreprise. À quoi tu penses? Tu perds ton temps avec le sport. Tu vas lâcher tes études. Bah tu vas perdre en vitesse dans tes études. Je sais ça, maman. Alors Chine à la fin, je vais faire ok, je me la ferme. C'est ça. Ouais, mais je suis un représentant de l'équipe japonaise et personne ne me regarde mal pour être dans cette du fait que je suis dans l'équipe. Peut-être, mais tes études sont plus importantes. Qu'est-ce qu'il y a de bien à taper dans une balle? Je ne peux pas comprendre. Je peux pas comprendre que tu mettrais de côté tes études comme ça. Mais il n'y a pas besoin de s'embêter, de s'énerver à propos de ce que tu viens de commencer. Je doute que tu vas te barrer tout de suite maintenant. Abandonne à un moment approprié et dis-le moi dès que t'as fini avec ce sport inutile. Oh les fils de pute. Ok papa. C'est tout ce que j'avais à dire. On y va. Zippy, reviens vite à la maison, d'accord? Ils sont jamais là, de toute façon. Zippy, t'es plus à la maison. On est triste. Vous êtes jamais là, bande de connards. Ok. Quelle bande de FDP. Hey. Kenan? T'as tout vu? Zippy, tu vas... T'es vraiment... Tu vas quitter l'équipe? T'as entendu? Ouais. Pourquoi t'as rejoint l'équipe? Est-ce que la raison pour laquelle t'as rejoint l'équipe nationale, c'est que ça avait quelque chose à voir avec tes parents? Au passage, je suis au même moment que toi. J'ai fait le réveil de Buddy Curry. Buddy Curry ce matin! Buddy Curry! Ah, le réveil de Buddy Curry, les gars! Oh, je peux vous dire, il a balancé la sauce piquante! Mmh. Buddy Curry! Je le savais. Je m'en doutais que c'était ça, c'était pour ça.
En échange de rejoindre l'équipe, je voulais m'émanciper de mes parents et vivre indépendamment. Hein? Tu veux déménager loin de tes parents et t'occuper de toi? Mon père est à la tête d'une entreprise top tier dans le trading. Et ma mère est diplomate, donc sont tous les deux des élites. Je suis à chaque fois je suis toujours sous leur supervision, ils me regardent toujours, ils me surveillent toujours. Tout ce qu'ils ont envie, c'est que j'étudie et que je sois le parfait étudiant honorable. Même en école élémentaire, je dois rester en des classes supplémentaires et parce que j'avais pas envie de rentrer à la maison. Tous les parents sont pareils. Ils sont toujours à chaque fois en train de mettre en avant leur valeur sur leurs enfants et les contrôler. Je pense que tu as tort. Au moins, ou en tout cas, moi mon père ne me faisait pas ça. Mon père respectait toujours mes décisions et il a toujours laissé faire ce que je décidais. Il m'encourageait toujours et il me laissait... Et quand je faisais quelque chose de bien, il m'encourageait. Il ne me contrôlait pas. Mon père était détective pour les services secrets japonais. Détective ? Ouais. Et en plus, un excellent. Et il ne laissait aucune enquête lui passer dessus. N'importe laquelle, même si elle était petite. Il était appelé le Sherlock Holmes du Japon. Et il était respecté par tout le monde. Mon rêve, c'est de devenir comme lui, comme mon père un jour. Un grand détective. Mes conditions pour jouer dans l'équipe, c'était de pouvoir visiter la zone des policiers d'Angleterre de Scotland. D'Écosse de Londres, what the fuck? Bon, pas grave. Qu'est-ce que t'insinues? Quoi? T'es en train d'insinuer que ta famille est meilleure que la mienne, c'est ça? Non, je voulais pas du tout dire ça, Zippy. Je suis désolé, mais je vais partir. Oh là là! Oh, déjà que Zippy, c'est pas rien, ce que j'aime bien. Zippy! Oh! Zippy, chérie, ils ont vraiment les pires parents. Hein. Le lendemain matin. Oh, les dépressifs, let's go. Bonjour! Pourquoi on a tous été convoqués ici? Tu vas pas me dire que t'es encore en colère par rapport à hier? T'agis vraiment comme un enfant de garder ton énervement comme ça. Tu dis que t'as envie de vivre loin de tes parents, mais en fait le truc c'est que t'as juste envie d'attention, n'est-ce pas? Quoi? Et qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais de moi? Arrête de faire comme si tu savais tout. Eh, vous deux, arrêtez. Encore en train de vous battre à cette heure-là de la journée? Mais Kinan! Taisez-vous, le coach arrive. Vocal! Oh! Mister Astero Black! Le polar. Le prochain match sera le match des qualifications asiatiques. La demi-finale des qualifications asiatiques, pardon. Tout le monde a joué très bien au dernier match. Hein, tout le monde a très bien joué au dernier match. Pourtant, avec nos forces actuelles, nous n'avons aucune chance de gagner contre eux dans les qualifications asiatiques. Faut articuler, sinon je n'y arrive pas. Ah! Hein? Suivez-moi. Oh, la musique. Venez à la salle de réception de la zone résidentielle. On y va en premier. La salle de réception? Mais il y a quelque chose là-bas? Je ne sais pas. En tout cas, allons-y. Anyway. Allez hop, c'est par là. Coucou.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Attendez. Oh là là! Mais du coup, Koyo, tu m'avais dit, mais je crois que je me souviens bien, mais t'as jamais regardé Galaxy. Donc là, tu découvres en fait avec le jeu l'histoire, non? Si je ne m'abuse. Hein? Mais où est-ce que c'est? Il y avait des escaliers ici? Allez-y. On y va. Il va nous enfermer, nous stalker au sous-sol. Red Dark Be Like. Yep, totalement. Oh, mais c'est trop bien, Koyo. En vrai, si t'en viens à Koyo, faudrait qu'on se mate ensemble Galaxy ou qu'on se mate des épisodes ensemble, ça pourrait être cool. Ou que je le fasse en stream, ça pourrait être sympa. Mais y a rien ici. Ouais. En vrai, chaud. Nice. Hein? Où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est de la téléportation? C'est un hologramme. Un hologramme? Vous êtes en train de dire que tout ceci est faux? C'est ça. C'est que des images. En envoyant des signaux dans votre cerveau, on peut copier les mêmes sensations que vous avez. On peut reproduire les mêmes sensations. Les vraies sensations? Dans notre cerveau? Vous allez entraîner ici maintenant. C'est ma création. La chambre noire. La chambre noire? On va s'entraîner ici? C'est un système assez incroyable. Mais si on s'entraîne ici, on sera sûr de devenir plus fort. Tout le monde, essayons. Ouais. Yeah, special training now available. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à Glacia. Allez, on va lui demander. Arion, je vais te donner les data noires, les infos noires. Donc ça, c'est pour avoir le premier entraînement, notre premier entraînement. Bon, elle va nous expliquer juste prestige point acquis. Donc ça, c'est les points d'amitié, hein, tout simplement, qu'il y avait avant. C'est ça, on a des mini-jeux et ça permet d'augmenter les stats. Qui on va augmenter? Je réfléchis un peu, ouais, ok. On a quoi comme entraînement? On va entraîner qui? Tiens, on va entraîner Victor pour qu'il fasse des shots sa mère. Je suis Supernova, du coup ça, on découvre les deux versions. Ouais, c'est ça. Oh, le excellent! Wouh! Ah bah du coup, on met tout en kick, hein. Voilà. Ok, elle nous donne la data 4. Merci. Alors, data 4, je sais plus ce qu'elle fait. On va faire sur Arion, tiens. Ah, et le but, c'est de faire des scores, c'est vrai. Ah, je crois que c'est pour gagner des objets ici, non? Let's go! Oh putain, le mini-jeu du cul! Wouhou! Eh, en vrai, il est cool, j'aime bien! Let's go! Run, run down, run down, run down, run, 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 run! Wouhou! Level complete! Allez hop! Ok, faut faire gaffe. Ok. Putain la vache. Ouh. Putain, pourquoi il est jamais sorti en Europe ce jeu, bordel de merde? Niquez-vous les entreprises européennes. Ah, c'est bon là. Ouh. Esquive, hop, hop, par là, hop, par là. Voilà. Du time. This will be time. Hop. Ah, attendez, je peux pas voir le message. Ah, je suis mouru. Fuck. Hop. Putain, c'est une guerre à contrôler cette merde. Hop. Level up. On est level 6. Putain, le talent qu'on a, les gars, on est trop fort. Ok, par là. Putain, on est vraiment pas mauvais, hein. Oh, le Delbor, level 7. Allez, on veut le level 8.
Tryhard, putain, Tryhard, t'es mort, ouais. Ok, hop, hop, hop. Level 8, wouhou. Ah, je me suis fait avoir. Culé. Allez, faut réfléchir maintenant, faut être meilleur. Ah, les explosifs, ils deviennent bien gros, hein. Ah, putain, touche les vues. Ok, hop, hop, hop. Level 9. Allez, on veut le 10, on veut le 10. Quoi? J'ai été par quoi? Un truc invisible. My beat. My beat, big bong. Par là. J'ai avoir la bombe, ça c'est sûr, c'est obligé. Allez, on veut le 20 000. On veut le level 10. Hop, 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 par là. Ah, j'étais bon au début, mais je galère. Enfin, ça évolue, c'est normal, c'est plus dur. Allez, level 10. Ouh, j'ai esquivé. Par là. Par là. Par là. Non, oh, je l'avais. Les poings, les poings. Ce qui est important, c'est les 3 poings. Non. Ah, le rayon explosif fait des... Par contre, j'ai un genre de no farm form qui me permet d'avoir tous les QR codes directs. Et quand je l'ai utilisé, ça m'a niqué le temps de jeu. Le temps joué au jeu. Ouais, c'est vraiment que ça. Ouais. Du coup, ça m'a fait gagner que 5 points. Bah, je préfère l'autre, hein. Ça donne plus pour pas grand chose. Hein. J'ai une que ça. Pas compris cet exercice du coup. On a continué comme ça. On a continué à s'entraîner dans la chambre noire. Ah oui, ça fait bugger ta version, ouais. Chapitre 4. 1000 heures sur le chapitre 4, putain la vache. T'as pris ton temps, hein. Ouf. Enfin fini. Cet entraînement était dur, mais ça va nous permettre de nous entraîner, de nous améliorer si on continue comme ça. Pourtant, c'est assez étrange que l'entraînement qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire pour l'entraînement. Et cette technologie, et la technologie de cette salle est incroyablement révolutionnaire. Elle a dû coûter une fortune. Et au-dessus de ça, on est l'équipe qui peut utiliser cette technologie. Et c'est un problème? Bah c'est pas un problème, en plus bah, je me demande pourquoi on est ici. Si on doit vraiment continuer comme ça, la victoire ne sera sera entre nos mains, pardon. Quoi, la victoire? Oh, attends un peu. Tu penses vraiment que on peut viser le d'être champion? Qu'est-ce que tu entends par là? Notre contrat ne stipule que seulement qu'on a participé. On n'est pas obligé de gagner le tournoi. Oh. Pourtant, est-ce que je serais capable de garder de tenir promesse si c'est comme ça? Est-ce que tu veux que je vérifie les termes du contrat? Non, non, pas besoin. Je vais continuer de jouer, même si c'est... je vais continuer de jouer, regardless. Sans préoccuper des conditions du contrat. J'aime bien ce que j'ai ici. Je peux exprimer comment je suis et comment je me ressens en jouant au foot. Mais le jour où je ferai tous les Inazuma en live, je ferai les QR codes seulement à la fin pour pas tout niquer. Bah, de toute façon, tu fais les QR codes comme moi, tu te souviens? Je les avais enregistrés, je les avais mis manuellement et ça marchait très bien. Ça prenait juste du temps, mais ça marchait très bien. L'expression de soi-même, t'as raison. Et vous, les gars? Si tout le monde y est, moi aussi. Moi aussi. Bien sûr, je vais continuer. Et je ne serai pas satisfait tant que... avec les choses... Comment les choses sont maintenant. Je ne sais pas, les conditions... doivent être suivies. Et qu'est-ce que t'en penses, Trina? Hein? Pourquoi tu ne parles pas plus clairement? Je suis désolé. Hey, Trina. Bon travail tout le monde. Votre adversaire pour les demi-finales a été décidé. Ouais, je les ai aussi comme ça au cas où. Ouais, tu vois, c'est ça. Et au moins ça fait pas bugger le truc. Ça sera l'équipe des Thaïlandes. Ah oui, c'est Thaïlande. Les tigres.
Mastic, je sais pas ce que ça veut dire, mais les tigres, on va dire les tigres. Ils ont battu facilement l'équipe du Qatar, les Lions du Désert 5-0. Oh putain la vache. Ah, ils ont pris un coup par rapport à, à la saison 3. Hein, 5-0. Est-ce que les Dragons du Désert étaient si faibles? Perdre leur match de 5 buts de différence? Non, loin de là. En suivant l'avis du public, ils étaient dans les favoris pour gagner le match. En parlant de ça, le tournoi a eu beaucoup de résultats contradictoires. Les équipes fortes perdent et vice-versa. Tu réalises que ça maintenant? Dans tous les cas, il faut pas qu'on se la pète ou qu'on s'imagine le fait qu'on puisse aller jusqu'au bout du tournoi. Zippy, il m'emmerde. Je l'aime pas. Ils sont toujours en train de se battre à propos de ça? Je ne sais pas. Ce combat est... cette chamaillerie est stupide. C'est stupide que des gens puissent si facilement... C'est stupide de penser qu'on peut aussi facilement en comprendre quelqu'un. Hein? Bon, tout le monde, faisons de notre mieux et ne perdons pas contre les tigres. Continue comme ça avec l'entraînement et je suis sûr que la victoire sera à nous. Ouais! J'arrive pas. Oui. Oui. Bah tiens, allez, on va faire un petit peu d'entraînement encore. Est-ce qu'on a, on a encore combien de points? Il marque pas les points qu'on a? Ah si. Bon, on a encore un peu. Fuck! Ricardo, Tsurugi, putain. Quel con. Victor le Kassouos. Victor, il va te mettre des patates dans les buts là. On va en comprendre. Et te mettre des shots, tu vas faire. Il va marquer tout le temps. Allez. C'est parti, on va s'arrêter là. Vous avez terminé avec l'entraînement? Oui. Alors c'est bien, il est temps d'avoir une bonne journée de repos. Voilà. On a du mal, désolé. J'ai du mal à lire aujourd'hui et à traduire. Oh là là, c'est compliqué. Hein. On est vraiment pas quali aujourd'hui. Trina, je ne peux pas supporter cet entraînement spécial. Je suis vraiment inutile. Trina, tu rentres chez toi? Trina? J'aime pas les autres. Le lendemain matin. J'espère que vous aimez que vous appréciez votre nourriture. Oh, oh, oh. Ah bah c'est bon à savoir. Vous avez toujours faim, non? Bonjour. Bonjour à toi, Trina. Bonjour. Je te vois toujours ici le matin. Tu aimes les chats, Trina? Oui. Je vois. Trina? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Tu sais que tu peux me parler de tout ce qui te passe. Tu peux me dire ce qui se passe dans. Tu peux me parler de n'importe quoi qui se passe dans ta tête. Entre guillemets, tu peux parler de tout, quoi. Après tout, je suis la manageuse de l'équipe. Qu'est-ce que tu vas faire quand je te l'aurai dit? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu vas te moquer de moi? Bah pas du tout. Je suis désolé. Le bush il court. Ah la pauvre, le bush court. Le bush court trop vite. Oh bah les deux clacos, ça va eux toujours. Hein.
Ah, je devrais pas m'entraîner aussi dur. Je vais me blesser. Ah non, tu vas te blesser. Toi aussi, t'es en train de galérer. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai aucune idée. T'inquiète, bientôt elle aura la technique boule-boule. C'est ça. Come, viens, pardon. J'étais en train de lire en anglais. Bon bah Victor il pète toujours des cubes. Bon après j'ai entraîné Victor donc Ibuki. Je suis bien. Bah je vais bien. Je devrais pas perdre avec mon avec ma force. Qu'est-ce que je te fais de mal? Trina ne vient pas? Ouais. Elle est avec nous un peu plus tôt ce matin. C'est pas le mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Trina a parti du dortoir. Trina a fait quoi? Il y avait une lettre dans la chambre des filles. Là. J'ai décidé de quitter l'équipe. Je n'ai pas assez de confiance pour rester ici. Trina, pourquoi? Trina avait été était beaucoup inquiète. Attends. Cette petite fille a dû penser qu'elle était un poids pour l'équipe. Si on ne fait rien, elle va vraiment partir ou abandonner quoi. Peut-être que c'est bien si on la laisse partir. C'est une personne vraiment vraiment très timide. De jouer dans un grand stade comme ça, ça doit être vraiment difficile pour elle. Le poids de représenter le Japon dans les matchs est vraiment aussi difficile et très difficile à très difficile d'avoir de la confiance quand on a un aussi gros poids sur nous. En gros. Elle a une nature vraiment très gentille. Une nature comme ça ne marche pas quand il y a des sports de compétition comme le football. J'ai entraîné que Terry, il a sans cesse de me catch. Alors moi, tu sais pourquoi je l'entraîne pas, Terry? Parce qu'actuellement, en fait, dans le jeu, les seuls buts qu'on prend, c'est des buts scénarisés. Et j'arrive très souvent à gérer ma défense ou à arrêter le tir avec Terry, en fait, bah avec Ibuki. Donc j'entraîne pas beaucoup Ibuki pour l'instant parce ça me semble pas intéressant actuellement au niveau de l'histoire. Ils sont pas assez compliqués en face pour vraiment te faire chier s'ils te tirent sans scénario, quoi. Aucun d'entre vous ne comprend vraiment rien à ce message. Je pense que Trina est incroyable. On peut le comprendre juste avec un regard. Elle a compris en un regard que je n'allais pas bien et que j'avais des problèmes avec moi et que je me retenais. Peut-être que ce que Trina a juste envie de faire, c'est jouer au foot, non? Buddy, la raison pour laquelle elle tait son cœur, c'est une raison que je peux comprendre. Elle arrive pas à affronter elle-même ce qu'elle a en elle, quoi. Elle arrive pas à se. Moi aussi, mais si à un moment je me dis go tenter les matchs contre les équipes level 40, oui, mais pas avec ton équipe actuelle. Elle arrive pas à s'affronter, quoi. Affronter ses peurs, c'est ça, exactement. Je vais aller chercher Trina. Mais où est-ce qu'elle pourrait être? Le meilleur endroit pour commencer, c'est là où elle a laissé sa lettre, dans sa chambre. Et bah c'est parti, j'y vais. Trina a quitté le groupe. Non, Trina, le bûche! Le bûche est parti! Putain, chier! Moi j'aime bien Trina, je sais que pas mal de gens n'aiment pas Trina, qu'elle est pas intéressante, un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup Trina. Les seuls que j'aime pas vraiment, c'est... Cheryl. Trina a peur des gens. Hein? Elle a peur des gens. Et spécialement les filles. Évidemment, ça t'inclut toi. Tu ne l'as pas compris malgré le fait que tu étais manageuse de l'équipe. Ouh, Cerise. Ouais, Cerise, je l'aime pas. Zippy, j'ai du mal. Kinan, il est drôle, mais sans plus. Et les autres, je les aime bien par contre. Elle a peur des autres filles. Eh oui, c'est pour ça qu'elle veut pas voir ta sale gueule, ce mec.
Allez hop. Oh, elle était trop mignonne, la chambre de Trina. Oh. 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 Ses affaires sont toujours ici. C'est un soulagement. Bon, ça veut dire qu'elle n'est pas allée très loin, au moins. Je pense qu'on devrait essayer de la chercher. On devrait être capable de la chercher. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas un ticket pour le... La roue du ferry. La roue du ferry? Celle qui est derrière le centre commercial? Oui, la dernière fois qu'on y a été avec Trina, on nous a donné les tickets. Maintenant que je m'en souviens, elle avait l'air intéressée. Elle doit être là-bas. Tu sais, ça sera mon dernier souvenir de l'équipe nationale. Je pense que c'est ce qu'elle pensait. Oui, c'est une bonne analyse. Il y a une haute probabilité que Trina soit exactement soit là-bas. Ouah, allez, 1, 2, 3, soit là-bas. Ouah. Salut Edma de Jade, salut à toi. J'aime pas les deux défenseurs centraux non plus, mais j'adore la technique UFO. Ouais, voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Merci Edma de Jade pour le follow, on espère te revoir sur Yifre Live de la chaîne. Merci à toi. Ça fait plaisir. De toute façon, on peut rien faire en restant ici. Allons-y. Ouais. Allons stalker Trina IRL. Let's go. Ricardo, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe avec Trina? Le coach l'a choisi elle pour l'équipe. Il y a bien une raison pour ça. Mais j'ai aucune idée de la raison. De qu'est-ce que ça pourrait être la raison, pardon. Tout ira bien. Arion va certainement réussir à trouver une solution, quoi. Que c'est Arion. Arion Sherwan trouve toujours une solution. Alors, je vais juste rentrer parce que je pense qu'il doit y avoir une toffe à prendre. Exactement. Toujours vérifier s'il n'y a pas des toffes partout. On sait jamais. Est-ce qu'il y a des toffes là? Il y a des toffes? Est-ce qu'il y a des toffes? Parce que s'il y a des toffes. Oh, toffes. Les toffes, c'est intéressant pour faire des recrutements. Bon, je dis ça, j'ai pas fait un recrutement pour le début du jeu. Hein. Nice. Je suis trop intelligent, les gars. J'ai un Miximax inconnu, les cheveux de Tescade bleu très clair. C'est le Miximax avec qui? Attends, le Tescade avec les cheveux très clairs? Bah c'est celui avec Arion, non? Attends, Tescade avec les cheveux très clairs, c'est un Miximax parfait ou pas? Est-ce que c'est juste les cheveux que... Est-ce qu'il y a juste la couleur des cheveux qui a changé ou c'est tout le... toute la tête qui a changé? Parce que déjà si c'est pas un Miximax parfait, déjà on peut retirer des trucs. Ou justement si c'est un Miximax parfait, on peut retirer des trucs. Est-ce que Tescat, cheveux bleu clair, qui ça pourrait être? Hello, hello. Salut, c'est Juro. Bon retour parmi nous. Oui, ça... Alors, attendez, est-ce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'on peut recruter? Est-ce qu'on peut recruter déjà? Ou il n'y a rien? Oh, Meggy. D'accord. Alors, j'ai vraiment pas fait de match, hein, c'est chaud. Hein. Faut que je fasse plus de matchs de défis, putain. Ah, je sais pas, il est déjà Miximax dans la machine. Mais tu sais que tu peux le démiximax, tu peux enlever le Miximax d'un joueur. Tu vas juste au truc, tu demandes d'enlever le Miximax, tu le refais quoi. Tu verras bien avec qui il était. Mais de toute façon, normalement, tu devrais pouvoir. Hein, parce que techniquement, quand tu fais ça, tu vois Miximax et il te met avec qui. Genre, tu sais, tu vas dans ton inventaire, tu vas sur le joueur et normalement, il essaie de dire quel Miximax c'est à côté. Hein. Tu joues à l'équipe de fraude. Bah évidemment, mec. Hein. C'est la base du début de Galaxy. Hein. Elle est là, Trina. C'est parti. Allons sur la roue du ferry. Ouais. Oh, des chats. Vous avez beaucoup d'amis. C'est mieux si Sky lui parle. Vous êtes tous les deux des filles, non? Je ne peux pas. Il paraît que Trina a peur des autres filles. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que quelque chose de mal est arrivé dans son passé. J'ai pas encore recruté. Et il est hard à recruter. Attends, donc t'as un Miximax avec un joueur que t'as pas. Parce que, tu sais, si tu les démiximax, tu perds pas le joueur. Mais en fait, ce que je dis, va dans ta liste des joueurs. Parce que si tu me parles du Miximax, c'est que tu dois le voir quelque part. Donc c'est-à-dire que tu dois avoir le joueur, j'imagine. Non mais quel lecteur, messire, Jackie Chan vous attend pour un feat.
merci. Mais du coup, si tu vas dans, normalement dans ta liste des joueurs, dans le truc, il y a les stats, les équipements, le, l'esprit guerrier et le Miximax. Et normalement, dans la catégorie Miximax, c'est censé dire avec quel joueur il est Miximax sur le Teco. Je comprends. Je vais lui parler alors. Tu aimes vraiment les animaux ? Capitaine ? J'aime beaucoup les animaux moi aussi. J'ai un dog, j'ai un chien, il s'appelle Spotter. Il est assez âgé et il dort beaucoup. Bah il dort tout le temps en fait. Mais je trouve qu'il est mignon. Je trouve que c'est mignon. Je les aime pas à cause de ça. Hein ? Les animaux ne parlent... Ou je les aime à cause de ça ? Je sais pas. Les animaux ne vous parlent pas le mal de vous. Ils ne vous regardent pas bizarrement. Et ils pensent pas que vous êtes moche. Tu veux parler de ça? Tu veux en parler? Je pense que quelque chose est arrivé. Je suis le capitaine, si je peux t'aider. J'ai envie de t'aider, pardon. Tout le monde dit que me regarder est irritant. Quoi? C'est pour ça que j'ai arrêté de parler aux autres. Mais... ça, ça les irrite aussi. Trina. Tant de dislike, il y a double négation égale elle les aime. Ah oui putain, excuse-moi. Tu penses vrai, tu penses. Oh putain, on va y arriver, 1, 2, 3. Est-ce que tu penses ça aussi en me regardant? Non, pas du tout, pas un seul instant. Tout le monde est irrité par moi. C'est ce que les filles, qui me harcelaient m'ont toujours dit. C'est ta faute si on est irrité. Ni moi ni les autres dans l'équipe pensent ça quand on regarde, quand on te regarde. Tu penses ça maintenant, tu dis ça maintenant, mais si tu restes avec moi un jour... Je sais pas pourquoi le coach m'a choisi. Trina. Ah, je peux pas continuer à regarder ça. Hé, hey, arrête de dire n'importe quoi et crois en nous putain. Personne ne te déteste, tu es quelqu'un d'important pour l'équipe. Tu m'as dit la dernière fois que tu avais peur, n'est-ce pas? Mais tu es, que j'avais peur, n'est-ce pas? Mais tu es pareil. Tu as peur, n'est-ce pas? Je sais, tu es pareil que moi. Alors fais face, comme je l'ai fait. Grâce à toi, je n'ai plus peur. Mais je ne peux pas le faire. Non, dans la machine de la planète, juste après la Terre, il y a des persos déjà Miximax à recruter. Ah ouais? Chelou. Ça va le harcèlement dans ce jeu sinon la base. Ah mais oui c'est, mais c'est la base de Inazuma Eleven. Quelqu'un veut pas, on le harcèle jusqu'à qui veut. Ah c'est irritant. Buddy. Et voilà. Oh non, le mot qu'il fallait pas dire. Génie. Qui ne saute pas n'est pas furi. Et qui ne saute pas n'est pas furie. Et... putain. Ah le con, il y avait un mot qu'il fallait pas dire. Alors Enma, si tu veux savoir, si tu veux connaître les Discord, parce que j'ai pas mis le bot à chaque fois, je dis tout le temps. Regarde en dessous du live, tu as des petits panneaux et tu as un panneau Discord. Tu cliques dessus, ça te donnera directement mon Discord, aussi mon YouTube, je crois. Je crois que j'avais fait un panneau YouTube et mon TikTok, tu peux le trouver sur internet assez facilement. Donc t'as juste à regarder en dessous, il y a un petit panneau Discord pour avoir toutes les infos. Après avoir gagné Inazuma, mon avis n'a pas changé sur Trina. Qui ne saute pas n'est pas curie. C'est ça. Moi j'adore Trina. Moi comme je l'ai dit, il y a Zippy, Cerise et aussi Kinan que j'aime pas trop. Après Kinan, le UFO, il me le ramène un peu plus haut. Mais sinon s'il avait pas ça, les trois sont cringe. Irritant. Après tout je suis... Ah, quelqu'un. Le chat. Il a sauté, il ne peut pas descendre. Eh mais il va tomber. Oh, he's going to fall. I'm going to fall. The little cat. Save the little cat, Trina. Oui. Catch Golasso. Quel arrêt du gardien. Quel soulagement, ne fais pas un truc aussi dangereux. Ou fais attention quoi, be careful. Fais attention de ne pas faire des choses aussi dangereuses. Mais quel goat. Regardez-moi dans les yeux et me dites pas que ça c'est badass. Elle a sauvé un chat. Elle a sauvé un petit chat.
Elle peut être utile quand elle veut. Mais elle est utile. En soi, en fait, tous les joueurs sont utiles. C'est juste qu'ils connaissent pas le foot. Mais tu comprends en fait qu'ils sont tous utiles pour une raison. Trina, qu'est-ce que c'était que ça? Ces mouvements étaient incroyables. Quand j'ai réalisé, je... Trina, mais c'était incroyable. Sky... Trina, je suis désolé de ne pas avoir réalisé comment tu te sentais tout ce temps. Quoi? Je ne vais jamais te trahir, je te promets. Je sais que tu vas pas me croire tout de suite, mais je veux pas... Tu as pas envie d'essayer de jouer au foot avec tout le monde? C'est ça! On a été jusqu'en demi-finale, parce qu'on a tout donné ensemble. J'ai envie que tu aimes le foot. Si tu quittes maintenant, tu pourras plus jouer au foot, tu pourras plus jamais rejouer au foot, c'est ça? T'as pas envie de ça? Trina, joue au foot! Ok. Oh, il est trop fort! Il est trop fort, le harcèlement a marché! Ouais! Yo, comment ça va? Nickel, je viens de finir de bosser chez moi pour aujourd'hui. Enfin, presque, il faudra que j'aille fermer les poulets basta après. Salut Bad Sabotage. Trina. Merci. Retournons au stade. Ouais, le harcèlement a marché. Wow, 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 wow. Trina. Ah, comme quoi les gars, c'est une astuce de la vie, harceler les gens. Non, je déconne. J'ai envie de mettre back sur Discord. Attends, je vais regarder ça. Bon, je vais regarder ça 2 secondes, excusez-moi. Je veux juste regarder Mixmax pour être sûr de savoir ce que c'est. Alors attendez. Ça a été envoyé dans Inazuma Eleven. Ah ok, j'ai trouvé tout de suite. 100%. Je pense savoir. Pour moi, c'est le Miximax de Beilong et Tescat. Donc pour moi, c'est avec Beilong. Je viens de vérifier, c'est Tigre de Thaïlande. La demi-finale là qu'on a. Oui, bah c'est ce qu'ils ont dit, hein, ce que j'ai dit là. Pour moi, c'est Beilong et Tescat, Enma. Pour moi, ça me paraît que ça soit ça. Ah, va falloir qu'on te harcèle pour avoir des lives. Eh oh! Eh, hey, vous avez déjà des lives les gars, hein. Attends, vous êtes en train de dire que vous avez pas de live? Je vous fais entre 2 et 3 lives par jour et vous me dites qu'il y a pas de live. Vous êtes sérieux les gars? Ah ouais, on est comme ça. Ok, merci. Bah je pense que c'est ça, hein. C'est définitivement Beilong. Ouais, on est d'accord, c'est Beilong. Je suis pas encore fou, ça va, tranquille. Oui, c'est Beilong, ça se voit tout de suite. Ouais, y'avait pas de live sur Inazuma. Bah attends, y'avait pas de live sur Inazuma, mec. Le temps que je commence les trucs et tout, depuis que j'ai commencé, je le stream pratiquement tous les jours. Hein, calmez-vous. Eh oh là. Vous calmez, moi, je... Ah, Trina, tu es revenue. J'étais vraiment inquiète. Désolé. Ah, putain, j'ai m'enculé le pied. Ah. C'est bon. C'est un soulagement. J'en fous du troll, je sais. Ok, on reprend l'entraînement. C'est parti. Allons-y, Trina. Il est hard à recruter. Bah mec, tu recrutes là actuellement la fusion des 2 joueurs qui étaient les joueurs de leur équipe de Inazuma Eleven Go. Donc 2 joueurs à thème qui sont les joueurs principaux. Qui est littéralement, t'en as un des 2 joueurs, c'est un des joueurs les plus puissants de Galaxy, Beilong. Si tu mets Beilong avec Xanark, le Miximax est le meilleur attaquant et le meilleur gardien du jeu. Et Tescat a toujours été très difficile et un des joueurs les plus difficiles à recruter de Chronostone. Donc là t'as littéralement en un recrutement les 2 joueurs. Fallait t'attendre quand même à quelque chose de... C'est pas rien de recruter Beilong et Tescat mon gars. Eh hein. Hey, Trina. Mais non, mais laisse Buddy parler. Oh là là, Buddy la tristesse. J'ai encore raté. J'ai tout fait foirer. Allez, pleurons pour Buddy ce soir. Le soir même quoi. Hein? Zippy? Pourquoi? Comment ça? Ou qu'est-ce que c'est que ça? Marche aussi. De quoi vous parlez encore? Kinan. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant quand j'ai vu le match contre les tigres. Bon, j'ai pas d'autre choix. C'est toujours une hypothèse, mais regarde à ces données. Regarde ces données. Ça, ce sont les données des tigres avant le tournoi. Le nom de ce joueur, c'est Jatanakorn. Et maintenant, regarde les données pendant le tournoi, depuis que le tournoi a commencé. Sa vitesse, ses passes, son tir, il a progressé énormément depuis le début du tournoi. C'est presque comme si c'était une autre personne. Et c'est pas que lui. Tous les joueurs de toutes les équipes que nous avons affrontées depuis le temps
ont augmenté significativement. C'est certainement pas normal. Et si je te disais aussi que les autres joueurs... Bon, ça, je l'ai déjà dit, du coup. Quoi? Ça, c'était en gros, c'était aussi les autres joueurs des deux équipes. Peut-être qu'on vient à l'instant de découvrir quelque chose d'incroyable. Ah, de te voir faire l'animé en live, car je suis un peu paumé niveau les persos. Ah bah oui, tu m'étonnes. Après ça, on a longtemps, hein. Ça c'est la saison 6. Hein. Va falloir se taper 5 saisons avant de se taper celle-là, les gars. Il y a le time. Hein. Ouais. Oh, Glacia, elle a 3 petits points, là. Elle a fait le 3 petits points, Glacia. Elle a balancé le 3 petits points, elle a osé. Certains d'entre eux sont déjà en train de commencer à trouver et à se poser des questions concernant le tournoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit rien. c'est Black, c'est normal, il dit rien. Astéro Black, il dit rien. C'est là, c'est normal. Le jour du match. On va y arriver, hein. Tout le monde, le match contre les tigres est aujourd'hui. Donnons tout ce que nous avons. On s'est entraîné super dur dans la chambre noire. On peut le faire, n'est-ce pas? Ouais. Si on surestime nos propres forces, on va tous faire des erreurs. Quoi? Bon, putain, ils vont se battre encore, les gamins. Du coup, allons au stade. Allons d'abord au stade et ensuite. Ah non, allons à la station pour ensuite aller au stade. J'étais en mode aller au stade pour aller au stade. Y a un problème là. Allons d'abord au stade pour aller au stade. Ça me paraît logique. Hé, hey, Trina. Buddy la dépre. Ouais, vas-y mec, continue de la harceler, tu vas y arriver. J'ai l'impression que Trina est très anxieuse, non? C'est parce que ça doit être parce que Buddy a dit qu'elle était irritante. Ah, il a pas de tact. Ouais. Je dois réparer les choses d'une certaine manière. Trina est déjà partie. Ah! Buddy, allons au match pour le moment. Ouais. Oh là là, Buddy. Buddy un peu le con. Hein. On l'aime bien, Buddy. Hein. C'est un Chad, hein. Mais avec les meufs, il galère. Hein. Alors que c'est un Chad. Hein. C'est justement le principe, hein. Il y a un problème. Oh là là. Qui est con? Allons au stade de la route du sacre. Non mais sans deck, Arion, mais tu vas me le répéter à chaque fois. Moi, je suis un mec, il fait bader. Comment ça, il y a un mec qui fait bader? Qu'est-ce que t'entends par là? Papa, allons au match. Allons-y, le match va pas tarder. Oh là là, on doit y aller et les encourager. Oh, priez pour eux. Root for them, c'est prier pour eux, pardon. Ton père ne vient pas te voir pour regarder le match? Hein? Bah, c'est pas le père dont t'es si fier. Il ne viendrait pas prier pour toi, t'encourager? Et à propos de toi, Zippy? Ils ne viendront pas juste pour m'encourager. Premier mi-temps est déjà 3-0, nice. On tient à dire que là, le mec a quand même balancé le genre la balle perdue la plus immense pour Keenan. Hein. Parce que Keenan, on va dire, voilà, hein, sans spoil, mais on va dire que le daron ne peut pas vraiment venir l'encourager, quoi. C'est un peu comme le mien, pour ceux qui le savent. Hein. Si je puis dire. C'est parti! Les qualifications asiatiques du tournoi Football Frontière Internationale version 2 est sur le point de commencer! Il est temps pour la deuxième. C'est l'heure de la demi-finale, pardon. Le match entre les Tigres de Thaïlande et Inazuma Japon est prêt à commencer! Tu peux le faire, grand frère! Le dernier match des Tigres. Dans le dernier match, les Tigres ont battu les Dragons du Désert. Les Lions du Désert 5-0. Est-ce que ce match sera dans le même... Est-ce que ça sera pareil, en fait, hein? Est-ce que le match va se dérouler dans le même cas? L'attaquant des Tigres, Tanakorn Ja, s'est beaucoup amélioré depuis que le tournoi a commencé.
Mais l'équipe des Azuma Japon a constamment évolué de match en match. Je n'ai pas envie de rater ça. On regarde, nous serons, nous aurons, look forward, Salut Gwen le geek fou, comment tu vas? Comment dire? Oui c'est ça, nous attendons, ouais c'est ça, nous attendons avec beaucoup d'impatience ce match. Les deux équipes qui font leurs derniers échauffements avant le coup d'envoi. Excusez-moi, je cherchais mes mots, Beaucoup de problèmes avec les mots qui sont combinés ou entre guillemets les expressions anglaises que du coup tu peux pas traduire mot par mot, sinon ça veut rien dire. C'est bugué. Allez, on est ready pour le match. Trina, Buddy, Zippy et Kinan doivent être sur le terrain. Bon bah ça pas trop de problème. Arion, Trina, Buddy doivent être sur le terrain. Ils y sont tous. Il y a que ça de toute façon, on a que 11 joueurs pour l'instant. Trina. Buddy, putain, arrête de draguer. Ha, Inazuma Japon, je n'arrive pas à croire que vous avez que vous êtes arrivé jusqu'ici. Quoi? Nous serons ceux qui auront le dernier mot. Le dernier rire. C'est vous qui seront à la fin quoi. Buddy, la fin, ouais, de fou, il a la dalle. Et pas de bouffe. C'est ça. Comme si nous allions perdre. Allons-y tout le monde. Allez, c'est parti. Get your stylus ready! Moi c'est ma souris! Je te la fous dans le cul ma souris! Il veut des fruits de mer, c'est ça? Il veut de la moule fraîche! Oh putain, elle est trop belle l'entraîneuse de Thaïlande! Mais après, vu que c'est Thaïlande, est-ce que c'est vraiment une entraîneuse et pas un entraîneur? Vous avez vu comment je suis marrant? Oh, charate! Est-ce que c'est encore un trap? Ouais! Encore un trap de Inazuma Eleven! Pop, 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 pop! Eh, Inazuma Eleven et la logique du trap, il me tue, hein. Les traps, ils en mettent tellement la blinde dans les jeux. Bon, moi, je vais partir. Bon, bah, plus c'est dur, hein. Allez, c'est parti. Stade en haut du sac, on le connaît. Un trap. Un trap, c'est... Comment c'est un trap? En fait, un trap, ça veut dire que c'est un personnage qui a un look féminin, mais qui a un mec, en fait. Donc, on dit un trap parce qu'entre guillemets, c'est it's a trap parce que tu t'attends à, on va dire, en bas, à voir quelque chose et c'est pas la bonne chose, quoi. Si je peux dire. Et c'est pour ça qu'Inazuma Eleven, on en parle beaucoup, c'est qu'il y a énormément de traps. Il y a beaucoup de personnages qu'on pourrait penser qui sont féminins, genre Gabi, le personnage qu'on vient de voir là, ou alors dans trois quarts des équipes, il y a des personnages qui sont typés féminins et t'es en mode, mais c'est des mecs. Genre Gabi, Kirino, oui, c'est ça, exactement. C'est parti, le match entre Inazuma Japon et les Tigres est top et sur le point de commencer. Inazuma Japon est déjà au centre, est déjà dans le rond central. On commence à être nerveux. Chérie, j'ai l'impression, il semblerait que le match va commencer. Oui. Zippy, j'espère que tu ne vas pas être, tu vas pas te laisser. Les trappes de Inazuma Level, obvious, c'est ça. Mais il n'y a que ça, mec. Allons-y, Hachuo. Ah, ils ont tactique. Les trappes de Fire Emblem. Je viens de le faire ce match, j'ai gagné 2-1 du 16. Oh là là, go, vas-y, Tadacorn. Ils sont en train d'arriver, je dois défendre. T'es sur mon chemin, bouge. Trina! Prends ça! Tire! Je suis à 5-0. Ah ouais! Bah, y'a des gens qui se sont train, hein. Oh là, salut, Yerefg! Les tigres vise la contre-attaque. Pour une contre-attaque. Ouais, dans cette situation, quand l'attaque et la défense changent en un instant, la défense prend un coup. Fait une faute fatale. Quand tu sais que Trina est une des meilleures défenses du jeu, bah normal, mec, elle est trop bien. Après tout, je suis Trina. Oh, oh, oh là. Ok, feeling the advantage gauche. Feel the advantage gauche. Nice. Allez.
On la met. Vas-y, Arion. Allez, Tsurugi! Bicycle Sword! Killer Elbow! Quoi? Mais j'ai amélioré mon Tsurugi! What the fuck? Je l'ai amélioré dans la machine, il a même pas marqué un but! Pardon? What the fuck? Le gardien est trop fort! Le gardien est une machine? The fuck? Chez, merci, ça fait plaisir, les gars. Doom Dive Drive, Envol des Ténèbres V2! Oh, ça a marché là, L2, pardon, L2. 203, ça passe. En fait, c'est parce que j'attaque avec du feu. Killer Elbow! Go! Sandeki Osuke Tsuji! 1-0 pour Inazuma Japon! Allez! Allez, le chien dans votre cul, pardon, excusez-moi. Je remets mes lunettes. Ça s'appelle être bon, simplement. La balle est à moi, Achua! Je sais pas pourquoi ils font toujours Achua, mais. Trina, défends! Non, je ne peux pas! Oh, juste de la chance, eh ouais! Oh, petit le goat! Oh non, Inazuma Japon! La défense de Inazuma Japon est confuse! Oui, Trina Verdure. Les réflexes ou la réponse défensive de Trina Verdure est un peu lente. En espérant que cela ne continue pas comme ça. En espérant qu'elle puisse continuer le match, plutôt. C'est ma faute. Tout le monde doit être énervé contre moi. Trina. Capitaine, je veux sauver Trina. Parce que j'ai dit sans faire attention qu'elle était irritante. Elle a eu peur et maintenant elle est totalement refermée sur elle-même. C'est pour ça que je veux faire quelque chose pour elle. Je le veux au plus profond de mon cœur. Je vois. J'ai quelque chose à lui dire, mais à chaque fois que j'essaye de lui parler, elle m'évite. Bah c'est maintenant ta chance. On est au milieu du match. Elle ne peut pas partir du terrain. Tu devrais lui dire ce que tu dois lui dire, n'est-ce pas? Oh là 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 là! Oui, tu as raison. Oh là 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 là! Monsieur Geladal va le faire en plein match! Merci, capitaine. Allons-y! Il va pas lui dire en mode vénère? Mais il va encore plus la déglinguer! En mode vénère, il va lui retourner le cul! Il veut du cul! Mais il va lui retourner le fiac! Trina! Trina Verdure! Hein? J'ai envie d'aller au rendez-vous avec toi! Oh! Mais moi je veux faire l'amour, c'est exactement ça! Il veut la baiser! Je veux te baiser! Hein? Ton visage est chaleureux et mignon! Je pense que tu es super gentille et sweet, attachante, charmante, agréable. Et j'espère qu'on pourra aller après en date et que tu deviendras ma petite copine. Donc jusque là, combatté. Il veut s'acheter. Oh non, calmez-vous dans le chat, mignonne, voilà ça. Ah non, parce que mignonne c'est cute. Coucou, désolé de ne pas être venu avant. T'inquiète, Elise, y'a pas de soucis. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Oh le comme ça le. Oh merde, putain, j'ai tapé dans le micro. Oh le. Ah, j'ai fini ce que j'avais envie de dire. Maintenant fais gaffe parce que ton cul est dans ma ligne de mire. Oh. Donc il y a des personnes qui aiment la personne que je suis. Il veut lui ramener le conduit. Cette rime, c'est ça. Petit ami. Donc, Buddy en pince pour Trina. C'est pour ça que les sentiments des gens sont intéressants. Quand tu ne peux pas voir tes points, tes bons points, quelqu'un le fera pour toi. Quelqu'un les verra pour toi. C'est parti! Que le match entre. Le match recommence avec un engagement. Ou avec un, en tout cas une reprise avec. Avec un, une relance des tigres, pardon. Ah, du coup, Buddy il est en vénère. Oh, on va péter des culs avec Buddy. Ok, faut file.
Vous avez vu ce qui vient de se passer? Le mec a fait une passe. Attendez, le mec était en dehors de les touches. Il a fait une passe dans la touche. Et du coup, ça a fait faute. What? Jamais vu ça. Why not, j'ai envie de dire. Mais quoi? Mais quoi? Tu as vu l'anime Galaxy? Évidemment, évidemment que je l'ai vu. Il est génial, il est incroyable. Un de mes préférés. Einsatzu. Hop, ça dégage. Quoi? Oh, ça va, on enchaîne les fautes ici. Eh oh, les gars, là. Wow, wow, wow. Einsatzu, buddy perso le plus classe de cette équipe. Ah, je suis pas sûr, je suis pas d'accord. Après, c'est que mon avis, bien sûr. En mode rage, oui, en mode rage, il est stylé. Mais arrêtez-le! Vas-y, Trina! C'est pas grave, Trina, t'es nul! Allez, wild dunk. Wild dunk! Oh! Allez, vas-y, on va la passer à Shin. Kinan. Buddy. Arion. Allez, allez. Matatabé. Matatebé. Matatitub. Tir parcours. Parcours attaqué. Compliqué de marquer que ça, hein. Golasso de Matatabé. 2-0 pour Inazuma Japon. Tout sur le match avec la team insecte. Oui, oui, oui. Le team, le team insecte, après moi c'est pas moi le goat le team insecte. Dans, la, dans le match de la team insecte, pour moi le goat c'est le. C'est l'insecte justement. Qui est fou. Terry, mille fois mieux que JP et Sam Gook en cage, même si c'est pas dur de faire mieux que. Alors faire mieux que JP un peu quand même hein. JP, Mixi Max, Esprit Guerrier Armure, c'est pas de la merde. Je te laisserai pas à chou. Se confesser en plein milieu d'un match. Je vais vous montrer où est la place de... Je vais vous montrer que c'est l'endroit pour un match sérieux. Ah, ne viens pas ici. Trina, tu peux le faire. Je suis sûr que tu peux. Crois en tes propres forces. Croire en mes forces. Je peux le faire, je peux. Ah, tu ne peux pas m'arrêter. Alors que Terry, c'est un débutant, justement, avec tout ce qu'il a, JP devrait arrêter plus de tirs. Oui, mais JP ne peut pas arrêter plus de tirs parce que dans Galaxy, c'est interdit les esprits guerriers et les Miximax. Donc JP dans Galaxy, il est au même niveau de possibilité que Ibuki, en fait. Genre, il a pas d'avantage sur Ibuki. Enfin, dans l'anime, il a beau Miximax et armure, il arrête pratiquement rien dans les matchs contre le protocole et la budget. C'est pas faux. C'est pas faux. Je peux voir leur mouvement. Je peux bouger aussi. Je peux les arrêter. Leaf Roll! Oui! La bouboule! Oh, c'est trop mignon quand elle s'arrête comme ça! Quand elle est comme ça! C'est interdit, Esprit Guerrier et Mixi Max, mais terroriser la galaxie, c'est pas interdit, c'est ça! Je l'ai fait! Bonne défense, Trina! Merci! Yeah! Trina Goat! Trina Goat! Trina Goat! Regarde! Tu peux le faire si tu as envie! Ok, continuons d'attaquer avec cette, avec notre momentum actuel. Elle va Konoha, roule sur Buddy. C'est ça. Oh merde, putain. Tactique spéciale. On va faire la route du ciel. Skies de Nîmes. Oh, nique ta mère. Au revoir, Trina. Il se fait bouffer. Ah, c'est Kinan. Kinan qui a toujours pas de ligne de défense alors que c'est un défenseur. Hein. Nique sa mère. Hein. Vas-y, Matatabé. Oh merde, Matatobé, putain! Matatobé, tu fais chier! Allez, Chirise! Putain, Cerise, t'es nul. Oh, elle est éclatée du cul. Eh merde. Vas-y. Oh putain de. Oh là, oui, 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 oui! Footwalk, draw! Oh, c'était vraiment stylé. Ah, bah ça, Chirise qui peut me dribbler. Beautiful. Elle est nulle. Elle éclate axe du cul. Cerise elle a éclaté du cul et Trina va se faire éclater le cul.
est génial. Gwen le fou est un génie. Mais non, mais Rion Shearwind. Oh, mais qu'il est con. Oh, mais qu'il est nul. Oh, oh là là. Tac, le fantôme V3. Tire en rafale. Zephyr le shot. J'ai le beau suprême à genoux mortel. Ça va passer ton tacle fantôme. Oui, c'est pas passé loin de fou. Allez, ça dégage. Putain, ouais, mais sorry. Vas-y, buddy. Ah non, c'est pas buddy, bon, c'est pas grave. Tacle fantôme V3. Ça dégage. Oh, 69, la réponse. J'allais dire la réponse à la vie, non, c'est la réponse au Q, ouais. Non, quoi? Oh, je l'ai pas. C'est pas lui qui devait avoir la balle, raciste. Non, j'ai pas pu tirer avec Buddy, putain. Allez, mi-temps. On est bon. Mon chéri, tu ne penses pas que Zippy est vraiment en train d'essayer durement? Bah, qu'il se démène, quoi. Qu'est-ce que ce match? C'est pas tes parents? Papa, maman? Pourquoi ils sont ici? Papa est venu voir le match? Papa... c'était notre meilleur test de maths. J'ai eu le score parfait cette fois-ci. Bah, cette fois aussi. Quel est ce problème? Hein? Si tu avais suivi cette méthode de graphe, tu aurais eu la réponse encore plus vite. Tu aurais eu besoin de 5 minutes de moins. C'est pas juste à propos de répondre, mais de résoudre le problème efficacement. La clé, c'est la méthode. Dommage que les Mixi-Max ont été nerfs sur Galaxy, sinon je me referais la Team Excellence. Alors moi, ce que j'adore dans les Mixi-Max dans Galaxy, c'est justement que justement ils sont infinis. Genre, c'est pas juste dans le match et t'en as qu'un. Genre, tu peux qu'en faire trois. Non, c'est ils sont pendant le match et en dehors du match, c'est ils sont à vie tant que tu les enlèves pas et ils sont tous en même temps. Ça, c'est trop bien. J'adore parce que du coup, ça permet de faire beaucoup plus de combos et de pas être bloqué par le fait qu'il y en a que trois par match. Son père est gentil comme Sam Gook est un bon. Oui, en soi, il a un bon fond parce qu'en gros, il veut juste le meilleur. C'est pas un peu comme les parents de Trinax en mode faut que tu sois le premier. Lui, il est plus en mode faut que tu deviennes pas le. Bah, faut que tu sois bien, mais que t'aies. Faut que t'aies aussi. Que tu t'améliores et que t'aies plus de possibilités pour y arriver, tu vois. En mode parce que c'est dur la vie. Alors que les parents de Soé, c'est juste on veut que tu sois la première pour être la première, dès que ta mère. T'es en mode ok. Je suis désolé. Papa. Zippy, toi et ton père, ça n'a rien à voir avec toi. Zippy, Kinan. Oh là, oh c'est Black. Faut lui faire une voix de ouf. Faut lui faire une voix. C'est parti. Vous deux allez être la clé de la deuxième mi-temps. Trouvez-la ensemble. La formule de la victoire. La formule pour la victoire? C'est parti! Qui avancera vers les phases finales, Inazuma Japon ou les Tigres de Thaïlande? La deuxième mi-temps est sur le point de commencer, pardon. La formule pour la victoire, je vous laisse ça, Zippy et Kinan. On la trouvera. Et je la trouverai. Et avant que Zippy y arrive, j'accepte le challenge. Pékin, on dirait un fond d'accent russe. C'est pas Poutine que tu imites, c'est le coach. Ah, nous allons y arriver. Nous devons trouver pour clé finale. Arrêtez les gars, c'est une live en russe, hein, c'est parti. Hein. Nous allons gagner. Achou. Kinan Zippy, il arrive. Dans quelle direction il va faire sa passe? Non, dans quelle direction il va passer? Le point de l'axe de son pied va vers un centre gravitationnel. Par où est-ce qu'il va passer? Sans accélération, l'accélération quand il saute? Non. L'angle de saut? Attends, c'est à gauche ou à gauche, je crois. To the right? My bad. Bah non, c'était à droite. Cringe.
Ah mais non, mais oui, parce que justement, il dit qu'il va aller à gauche, mais il va à droite, ok. Non, la droite, ouais, bon, c'est pas grave. Ah j'ai été à contre-temps, je dois l'attraper. Pourquoi Zippy est aussi impatient? Est-ce que c'est parce que son père le regarde pendant le pendant le match? Oh, est-ce que Zippy est ok? Zippy. Zippy, j'ai remis ma cravate toutes les 3 secondes. Le moment où il touche sa cravate, cela voudrait dire que... Zippy, si mon raisonnement est correct, ton père... S'il te plaît, arrête de parler de mon père! Ce serait bien si on pouvait trouver cette formule pour la victoire d'abord. On se concentre. T'as raison. Ah bah attends, on va forcément se prendre un but? Iron Crash! Ah non, Ivory Crash, pardon. Mais il y a script, oui, bien sûr. But! L'équipe des Tigres a réussi à mettre un but au fond! Pourquoi? Mes calculs sont pourtant parfaits. Zippy, quoi? Souviens-toi de ce que je t'ai dit la dernière fois. À propos de comment les parents contrôlent leurs enfants pour qu'ils arrivent vers leur objectif, voilà. Je viens de comprendre le sens derrière ça. Comment tu agis quand tes parents sont arrivés? Depuis que tes parents sont arrivés. Tu rêves que tes parents, ou je dirais ton père, te reconnaissent, n'est-ce pas? Le père de Zippy, il a pas dit tape dans le fond, mais je fais ça avec ta mère. Ah là là! Il donne l'impression de te désapprouver, mais il ne te hait pas du tout. Tu détestes le fait de ne pas pouvoir. Tu détestes ton inhabilité à pouvoir rejoindre ses attentes. Voilà, ses attentes que je voulais. Et sur quel propos tu dis ça? Arrête de dire n'importe quoi. Mais je me demande pourquoi tu as envie de avoid. Avoid, putain! De mettre ton père de côté, de l'esquiver, quoi. Sûrement, tu ne comprends pas. Parce que toi et ton père, vous vous entendez super bien. Je suis sûr que ton père t'encourage beaucoup et qu'il te comprend très bien. Pourquoi tu ne laisses pas juste ça comme ça? Éviter, ouais, ça. Même s'il le fait, il ne peut plus le faire. Et c'est parce qu'il est mort quand j'étais enfant. Hein? Il est mort? Rip. Rip Kinan. Est-ce le daron? Je suis vraiment envieux de vous. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu avoir un père comme lui. Chez, non, c'est pas gentil de dire chez, les gars. Il est parti chercher du lait, il est pas revenu. Non, il est mort, donc bon. T'es trop cool, papa. Est-ce que tu as encore eu un nouveau prix? Ouais, cette fois-ci, c'est un grand prix. Le commissaire Howard. C'est le meilleur prix qu'un détective peut recevoir, tu sais. As expected. C'était évident, venant du meilleur détective du monde. T'es un vrai allié de la justice, papa. Maintenant, je devrais... tu as raison, je ne pardonnerai jamais au mal et à l'injustice. Ou quelque chose comme ça. Je vais devenir un super détective comme toi, papa. Je vais réussir à résoudre plein d'enquêtes. Ça m'en rigole, c'est pas ouf en vrai. Chais gentil. C'est ça, c'est un gentil chais. C'est un chais de... Oh, chais. Même si tu veux devenir comme lui, ou le surpasser... Non, même si je voulais devenir comme lui ou le surpasser, je ne l'ai plus comme modèle maintenant. Mais tu es différent de moi. Tu as ton père pour t'aider, pour grandir et pour te développer. Kinan.
Mais même si tu me dis ça d'une manière que j'ai un cool headed. Que j'ai un... Ouais bon voilà, j'ai du mal à croire que je peux grandir maintenant, même maintenant. La clé de la victoire est loin. Tu penses vraiment ça? Hein? Sang froid, ouais c'est ça. Oui oui, même si j'ai du sang froid, je pense oui, c'est ça, excuse-moi. Ah oui, c'était cold headed. J'ai mal lu, ça a été mal traduit. Je croyais qu'il y avait marqué cool headed et pas cold. Ou alors on dit cool headed justement. Oh, j'en sais rien. Même si tu ne penses pas ou que tu ne le crois pas, je sais que à vous deux, vous avez le talent. Et vous allez trouver la clé de ce succès. Capitaine. Zippy, ton père est en train de regarder. Ne regarde que toi depuis le début. Quoi? Dès qu'il sent que ce que tu fais est dangereux, il est en train de y remettre sa cravate. En fonction de la tournée d'affaires. Ouais, c'est ça. Zippy, je vais m'étrangler! Continue le match, sinon je vais m'étrangler! Ça prouve qu'il est vraiment inquiet pour toi. Ce qui veut dire qu'il ne te déteste pas. Mon père, il me regarde depuis le début du match. Moi, au-dessus des autres. C'est ça! Montre à ton père comment tu joues au foot. Et gagne ce putain de match. Allez, moi je go Storm Wolf. Oh là là, la finale! Bah, bonne chance, Gwen, hein. Vous savez quoi? On va shooter avec Buddy Fury! Brutal Head! Impossible de marquer avec cette merde. Non, son père, il regardait Trina, lui aussi veut la pécho. Dégueulasse. Ah, ils ont fail! Oh, les cassos! Utilisez tous vos pétés, les gars! Putain, ils ont fail deux fois de suite! La vache! Il faut récupérer la balle. Oh le bâtard. Allez, tac le fantôme V3. Cours Arion, cours. Tire rafale. Il l'arrête à un nul logique. Pas logique, mais bon, logique au vu des statistiques d'Arion en tir. Oui, beautiful. Hop. Hop, là, ça dégage. Tu sais quoi, on va faire le tour, hein. On va faire le tour, hein. On va la voir, hein. Hop. Non, je tire pas, hein. Hop là, hop là. Le relou de service. Bon, on va peut-être passer. Beautiful. Hop. Allez hop. Cerise égale cousi. Dribble Zephyr 2. Merci Gwen le geek fou pour le follow. On se retrouve voir sur les différents lives de la chaîne. Merci à toi. Vas-y petit. N'essaye même pas. Tadacorn. Je vais trouver cette formule de la victoire de n'importe quelle manière. Parce que si je le fais, papa va. Tu dois résoudre ce problème de façon efficace. La clé, c'est la méthode. Efficace. Hey Kinan. Si on pouvait compléter nos compétences ensemble, on pourrait définitivement trouver la réponse. Vraiment intéressant. Donc si je donc en gros il va utiliser ses
ses analyses pour prédire et avec son observation et ses prédictions. Et il va analyser mathématiquement les informations, simplement. N'allez pas nous sous-estimer. On gagnera ce match de n'importe quelle manière. Je vais commencer le match du coup. Bonne chance à Koyo. Je le vois maintenant. Défense équation. Ah bah elle est en français, what the fuck. Ou defense equation. Bon. Allons-y Kinan. Oh merde, dommage. Je vais prendre cette balle, je vais vous prendre la balle. Et je vais prouver que vos calculs sont faux. Non, je suis désolé. Mais tout peut se passer par rapport à notre plan. 3, 2, 1, maintenant Kinan. Trace, Trace. Oh le copiteur. Comment ça? Comment tu as pu devenir aussi bon? Je savais que tu allais partir vers la gauche en regardant tes mouvements, en regardant le mouvement de ta main et en regardant l'angle de tes pieds, j'ai su la direction et la vitesse à laquelle il devait aller. Ce qui nous a permis inévitablement de te prendre la balle avec facilité. C'est stupide. Vous avez tout planifié depuis le début. C'est ça. Et c'est notre réponse à la formule de la victoire. En vrai, il y a pas à dire bonne chance, comme j'ai des défis pour débloquer des joueurs et voir qui était, je roule sur les matchs. Ah oui, tu m'étonnes. Ok, ils ont débloqué leur technique, ça c'est cool. Zippy, Kinan, vous avez fait un bon travail. Maintenant, c'est à nous d'amener la balle vers l'avant et de marquer un but. Vous avez maintenant fini tous les deux trouver la réponse. Vous avez finalement tous les deux trouvé la réponse. Non, Arion. Arion, arrête. Dribble Zephyr, V2. Allez, dans ta gueule. Oh putain, mais il y a eu faute. Sûr que c'est un gars, l'entraîneur des griffes. Non mais justement, c'était pour la blague en fait. C'était en mode, ça va être un trap comme dans Inazuma Eleven et ça va être un gars en fait. Et tu le sauras même pas. Footwork, draw. Moi je l'adore cette technique, elle est folle. Allez vas-y Matatabé. Matatabé. Vas-y Victor. Doom Sword Slash, l'âme des ténèbres. Enfin, one star on va dire. Killer Elbow. Putain mais il est fort le gardien, nique sa mère. Tu sais pas vite. Alors pour récupérer la balle. Tire. Wouah, il a fait un critique, mais suce nique ta mère aussi. Allez, vas-y, cerise. Cerise Blossom, là. Oh putain, mais qu'elle est nulle. Fin du match. Résultat 2-1 pour Inazuma Japon. Putain, leur gardien était pas mauvais, hein. Victoire pour le peuple. Block Boost Plus et Boomerang. Ah oui, la fin du Boomerang. Ok, cool. Cool, 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 cool. Le match est terminé. Les vainqueurs sont Inazuma Japon. Nous l'avons fait. Nous avons gagné. C'était pas possible. On devait gagner. Nous allons avancer jusqu'à la finale. Je dois avouer qu'il faut l'admettre. Cette équipe peut gagner. Enfin, Dan aussi marqué à la 31ème avec Ricardo Nice. Oui. Oh. Chérie. Pathétique. Nous avons besoin de faire arrêter. Nous avons besoin de faire arrêter Zippy. Nous devons faire arrêter Zippy. Putain, j'arrive pas à parler français.
En tout cas, ce jeu de balle est stupide, nous devons le faire arrêter, hein, tout simplement, voilà. Ta mère. J'ai changé, pas safe. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais n'a-t-il pas travaillé dur? Alors, tu as trouvé la formule pour la victoire. Oui, Kenan. Merci. Pas de soucis. De même. Likewise, de même. Nous l'ont fait, Trina. Oui. Buddy. Oui. Merci pour ce que... Pour tes beaux sentiments. Mais je suis désolé, je ne peux pas être ta copine. Friendzone. Le râteau. Buddy râteau. Quoi? Ouais, bah... C'est pas grave. Hein? Tant que t'es heureux, ça me va. Oh, c'est beau, putain. Ça, c'est un vrai mec. Tant que t'es heureux, je m'en bats les couilles. Buddy. Ouais, ça, c'est le visage que je veux voir. Continue de sourire, Trina. Ah oh là là, Buddy. Donc, il a été... elle lui a mis un râteau? Impression. Buddy, ce mec a vraiment des couilles. Ah, ils m'ont surpris. La confession de Buddy et le fait qu'elle s'excuse. Les excuses de Trina, voilà. Dans l'ennemi, c'est encore plus gênant. Ouais, un peu, ouais. C'est juste que c'est trop soudain pour moi. Quand je serai plus positive, je ferai face au sentiment de Buddy et... Oui, c'est ça. Je vais apprendre à m'accepter moi-même. Ah oui! Oui! Bravo Trina! You're the goat! Trina Buddy, les meilleurs. Oh, Beilong, coucou. Coucou poteau. J'ai hâte de voir ça, Inazuma Japon. Next chapter! Le goat arrive. Ouais, bon, vite fait. Hein. Alors, on veut pas se spoiler de ce qui se passe, même si on sait déjà. Hein. Chapitre 1! Chapitre 5, pardon. Visiteur! Chapitre 1. Et que c'est plus l'un des chiffres. Chapitre 1, bah oui, bien sûr. Ma bite aussi. Bonjour, je suis Caleb Stonewall. Je vais tous rassembler ici pour une simple raison. Nous allons affronter Inazuma Japon. Quoi? Un match contre Inazuma Japon? Pourquoi on devrait s'affronter? Malheureusement, c'était une demande directe du coach Black. Oh, mais Black, c'est un Chad. Tu vas jouer contre l'équipe d'Inazuma Japon? Entendu. Je vais les entraîner le plus dur possible. Mais tu peux pas. Hein? Cet entraînement... Non, ce système d'entraînement, ce camp d'entraînement, entre guillemets, est suffisant. Je veux qu'il se dépasse le plus possible. Qu'est-ce que tu entends, monsieur Dark? Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur Dark? Non, coach Black. Détruis-les. Casse-les. J'en ai rien à faire s'ils sont détruits pour de bon. Trop vénère. Brûle-les, crache-les, tord-les, détruis-les, viole-les. Pardon. Nous devons humilier Inazuma Japon. Compris. Vous serez fiers de nous, coach. Je compte sur vous. Ma team est la résistance nationale. Notre but, leur violer le cul. Pardon. Je viens de marquer avec cerise contre les tigres à l'aide. Oh là là, je sais pas comment t'as fait, hein. Stormwolf d'Ouzbékistan. Les loups des tempêtes, hein, littéralement. C'est déjà l'heure du rendez-vous, bah, du meeting, du rendez-vous, du... etc. Cette fois-ci, les coachs prennent leur temps.
Après, il aurait pu prendre plus de joueurs de résistance pour le tournoi final. C'est vrai, c'est vrai. Hey Sky, on sait toujours pas qui on va affronter en finale. On le saura demain après la demi-finale qui entre les États-Unis. Ah non, les what? Attends. United Arab Emirates, les Émirats Arabes Unis. Ah oui, les Émirats Arabes Unis, pardon. Et l'Ouzbékistan. Oh, dans ma tête, j'étais en train de bugger, j'étais en mode, c'est quoi ce pays? Ça n'a pas d'importance qu'ils nous affronteront. On va juste leur prendre la balle et la passer à tout le monde. Encore un match à gagner et on pourra représenter l'Asie contre le monde. Honnêtement, je pensais pas qu'on pourrait y arriver. Ha, ça fait vraiment du bien de gagner. Plus je joue au foot, plus je deviens meilleur. J'y deviens meilleur. Ah, moi aussi, je veux gagner la finale. Trina? Vous avez tous fait de votre mieux. Je l'ai fait aussi. Je trouve que tout notre entraînement a porté ses fruits. Ça sera sûrement... Ça paiera sûrement pendant pendant le quand on représentera l'équipe d'Asie. On va y arriver, hein. Et pour moi, je ne laisserai pas une seule balle atterrir près de nos cages. Bien sûr, c'est ce que dirait un gardien. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi Ricardo est toujours aussi dur sur Terry. C'est pas le moment de s'inquiéter pour les autres. Qu'est-ce que t'entends par là? Le football est vraiment fun. Et c'est vraiment super d'y jouer. Quand tu rush. Je mets 5-0 à la mi-temps, 2 buts de Victor, 2 de Falco et 1 de Cerise. Ibuki. Ricardo dur sur Terry, c'est ça. Ah, vous êtes sérieux? Quand tu précipites trop les choses, voilà, tu as tendance à t'écraser sur plein de murs, c'est dangereux. Mais t'es pas passé à travers. T'as pas traversé ça toi aussi? Mais toi, tu as réussi à réussir. Tu l'as réussi, toi. Il y a donc un chip entre les deux. Ouah, calmez-vous. J'ai un ami qui a été une fois mon ennemi. Je lui dois beaucoup pour m'avoir permis de passer d'avoir permis de passer outre mon passé. Justement. Comment vous faites pour être aussi connecté alors que vous étiez ennemi dans le passé? C'est une connexion dure à détruire, j'imagine. Pourquoi il a été choisi dans l'équipe d'Asma Japon? Je ne sais pas. À qui c'est? Je n'ai pas très bien compris ces dernières phrases. Quand tu Terry, je pense au mec qui vend des items dans Zelda. Terry! Bon, j'ai l'impression que tout le monde est ici. J'ai changé les plans pour cet après-midi. Nous allons faire un match d'entraînement. Un match d'entraînement? Contre qui? Vous le saurez quand vous y serez. Allez au yacht du terrain de Harbour. Mon dieu, un match d'entraînement à 7h? Arion, on doit y aller. Ouais! 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 Allez hop! Eh bien, vous savez qu'on va cesser là pour cette session de Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. On aura fini le chapitre 4 et on commencera du coup le chapitre 5. Demain, on terminera les qualifications asiatiques. Parce que demain, on fera tout le chapitre 5. Et vous découvrirez, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, la suite de cette aventure. Mais ça va être avec grand plaisir. On se retrouve à 19h pour la suite de Star Wars The Republic. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.